It's me, it's Mr. K. You have forgotten me on Mars. Les gars, les gars. Je crois qu'ils m'entendent pas. Et salut les amis. C'est une drôle de situation, faudrait que je vous explique quand même. En fait, j'étais sur Mars avec une équipe de chercheurs. Et ils ont beaucoup cherché, hein. Ils ont énormément cherché. Mais ils ont aucun humour en fait. Et donc, l'autre soir, en fait, j'ai sorti une blague sur les rousses et apparemment ça n'a pas plu. Et donc, il se trouve que notre pitaine, qui est une femme rousse, eh ben, a décidé de partir avec tout l'équipage en me laissant sur Mars. Et bah, c'est un peu ennuyeux quand même, parce que bah, il se trouve qu'ils sont partis avec toute la bouffe, tous les trucs que j'avais. Et bah, je suis comme un con, quoi. Oui, alors c'est rouge, hein, Mars, hein, je confirme. C'est rouge, mais du coup il n'y a pas grand chose à voir parce que c'est très poussiéreux, il y en a de partout, c'est dégueulasse. Vous voyez les terres rouges qu'il y a dans le midi? Bah c'est pareil, en plus fin, en pire. Et qui volent tout le temps. Jamais ça s'arrête quasiment. Quand ça s'arrête, t'es content quoi, mais c'est rare. Enfin bon, moi je vous raconte ça parce que bah, je vois un truc là-bas, il faudrait que je vais m'en rapprocher en fait. Parce que ils n'ont pas tout embarqué, ces salopards quand même, ils ont laissé 2-3 trucs. Comment ça sent le mec qui va pas trop parler? Non, non, bah j'ai rien à me dire. Je vais découvrir. C'est la surprise, je sais pas du tout où je vais. Donc. Ça va pas être simple de se déplacer avec ses commandes, les amis. Tant pis à la manette, l'avantage c'est que ça nous fait des déplacements plus doux qu'avec le clavier souris, quoi. Qui eux sont plus pratiques pour d'autres choses. Monday, quoi. Terre-Neuve, Sprinkler, Oxygen. Alright, I don't know what is a Sprinkler, buddy. C'est pas grave. Allons vers la lumière. Enfin, vers le nord, quoi. Hop. Hello? Anyone there? Light with the beaucoup hell de happened here? Oh, héros, du calme. C'est le bordel ici, apparemment. Effectivement. Ah, j'ai pas vu où il s'est barré le gars. Si on propose pas d'ouvrir, c'est que c'est pas le bon coin. Pourquoi je me traîne d'un coup? Oui, bah, on va toutes les faire, les gars. Qu'est-ce que vous croyez? Il y a des fois, mon perso se traîne un peu. Je sais pas pourquoi. Ok. Normalement, il y a un truc pour courir, mais. Peut-être pas le bon jour. Bathroom. Bon, on y va. On se lave pas. Non, on va peut-être pas y aller en fait. What is that? C'est du tu marches pas dedans, on va dire. Hein, t'es vite. Celui-là, il est plus gros que les autres d'ailleurs, regarde. On dirait une énorme langue. Ça bouge, hein. Que je sais pas. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui m'arrive? Déjà le début de la folie? J'ai rien fait encore, les gars. Bon, la bonne nouvelle, c'est que j'ai une batterie
Va-t'en, toi. C'est dégoûtant. J'ai une batterie infinie. J'aurais bien pris cette petite truelle pour me défendre. Bah, quand t'as rien, hein, une truelle, c'est bien. Ce sera le dicton du jour, d'ailleurs. Quand t'as rien, une truelle, c'est bien. Je peux pas fouiller dans les poubelles ni les placards. Je chantonne pour avoir faussement l'air décontracté. Bon bah si c'est bloqué, on va dire que c'est bloqué, hein. Et on va marcher un petit peu sur... Tu m'excuseras? Tu me dis si je te fais mal, hein, en te marchant dessus. Et... La femme de ménage va encore gueuler. Moi j'y suis pour rien. Genre oui, comme dans Alien, quand il fait « Oh regarde le joli petit œuf, comme c'est mignon !» Et voilà. C'est fait. Le mauvais goût dans les jeux vidéo supposé faire peur, c'est quand ton personnage fait peur, alors que c'est à toi de le faire, quoi. C'est un peu comme les applaudissements dans les trucs humoristiques. Où, ça fait de la peine plus qu'autre chose, quoi. Je ramasserai pas tout ce bordel, les gars, faut pas rêver. Par contre, je prendrais bien ce pelochon, cet oreiller. Puisque tous les gens qui ont vu les Y a-t-il un flic savent très bien que comme arme, ultime, l'oreiller. On n'a jamais fait mieux, quoi. Oui, souvenez-vous de la scène du lieutenant Drebin qui se prend cet oreiller par ce patient d'hôpital qui est un imposteur. Grandiose. Oh putain, si je peux prendre ça, bah oui. Avec joie. On va se battre. Alors, ajoutez l'inventaire. On va peut-être pas se battre tout de suite, donc. C'est peut-être plus pour ouvrir des portes. Et oui, je disais le lieutenant Drebin, mon idole. Si les forces de l'ordre étaient comme ça dans ce pays, il n'y aurait pas autant de blessés hein, les week-ends. Quoi, il y en aurait peut-être plus. Aïe aïe aïe. Je me suis engagé sur une très très mauvaise pente. On va changer de débat. On va prendre un autre sujet. Pouf pouf, tire un doigt. De l'engrais, est-ce que j'en aurais besoin? Non. Courir, ce serait une bonne idée. J'ai un pied de biche, elle est où cette porte qui déconne? Ça a pas l'air de vouloir s'ouvrir. Ça non plus. Bon. Alors le jeu est bizarre parce que entre le perso qui fait des réflexions à votre place et j'ai paumé ma porte moi. Et l'ambiance qui est pas si noire que ça pour l'instant. Parce que moi, ça va. On se croira à la maison, dans la salle de bain, après une mauvaise passe, quoi. Ouf, pas mettre les tarts sur les doigts. Tirer, pousser, à tout ce que tu veux. Te soigner, à tirer, à faire une purée lyophilisée. Ah, c'est tout avec A. Ah, j'ai plus de light. Bon, alors la light a une durée déterminée, mais il n'y a pas de barre, il n'y a pas d'indicateur. C'est. Tu vois là? On va te faire une surprise. Tu vas plus avoir de light. Pourquoi tu parles avec la voix très velours? C'est pour vous rassurer. C'est Noël et on m'a fait moi. Cake. What was that? Oh, rise and shine, folks. Is everybody okay? I almost spilled my coffee. Oh my gosh. I'll have to check the readings, but that may have been our biggest quake yet. Standard procedure. Newhart, you know what to do. If there's any critical damage to the base, let me know. Yeah, okay, no problem. Dr. Van Buren, you will assist me at the landing site for the Cyrano. Declan, you're on comms. Find any system issues, relay them to Shane. Aye, aye, Captain. Switch to a private frequency, Declan. No chatter on open channels. Over and out.
Now, where did I put that ID card? Private channel time. Mais t'as dit que ce caillou va me servir bientôt. Beautiful. Faut bosser des immenses. Donc on est sur Mars, oui, sans déconner. On est sur Mars, on n'est pas sur la Lune. Bah oui, il y a plusieurs lunes. Et donc Phobos et effectivement Deimos sont deux lunes de Mars. Dame Node, je m'en sortirai jamais de cette planète. Alors je vous invite à voir dans la playlist des The Big Gimowski, généraliste. Il y a déjà des jeux qui parlent de Mars. Notamment Surviving Mars, où je vous ai fait une intro pas dégueu. Pourquoi faire? Pour rien. Ok, l'amiral, rien. Je vais me laver les dents et on y va. Allez. Ok, j'ai fait tomber encore. Haha, sacré lui, va. I should memorize this. Ouais. 72-15. Je présume qu'il n'y a rien d'intéressant. Ah bah oui, mon ID card. Alors pourquoi ça scrolle comme ça? Tout simplement parce que le jeu est prévu pour la VR. Donc forcément, là, je le pratique pas dans le meilleur des cadres. Pour une meilleure immersion, il faudrait un casque sur le melon. Et ce serait beaucoup mieux. Mais on va voir s'il est déjà bien comme ça. Alors ça doit être un device, c'est ça qu'il faut que je trouve, je pense. Okay, confirming my ID bypassed security for my room. Door's unlocked now. Alors faites voir comme c'est beau Mars. Ouais, bon. C'est rouge, hein. Ça n'a pas changé depuis ce jeu. Ça ressemble exactement aux capsules qu'on avait. Et donc je vous disais, le jeu c'est Surviving Mars. Un jeu de building, de construction, quoi, qui est très très bien foutu et qui est en promo régulièrement d'ailleurs. Well, the rest of the team's out dusting the bed, and Dr. Volkova's apparently deep into her biocultivation duties. So, I guess that means you have the base all to yourself. And where are you? Once more, I venture into the great unknown, on duty at the satellite dish. Currently communicating, which is technically my job, kind of. Je me fais engueuler que je fous le bordel partout dans tout ce que je fais. Vert, vétiver, et hop. What to do? Ok, boss. What the hell? Hey, what's up with the lights? Getting some odd spikes in power as the batteries kick in. Hey, you just hang tight while I do your job for you, okay? No, have a coffee. No, really, take a load off.
Sympa la dining room. Et au moins on peut pas être en panne de café, ça c'est cool. Who put up this sticky note about the witch? You like my drawing? I made it last night. Do I like poking fun at a shared paranoid delusion while everyone is tired and isolated from human contact on Mars? Okay, killer. Remind me not to talk to you before you've had your coffee. Je fous le bordel et je lave rien. Un vrai mal, quoi. Le mal Zeta. Can you check your bio gauge and see if your daily objectives have been updated? Copy that. Ok, attends deux secondes, je finis de fouiller. Well, what should I eat today? Savory oatmeal looks good. Non. Il y a quoi d'autre? Je peux pas avoir les petits trucs noirs, hein? Ça a l'air mieux. Bon. Crap. What's up? I seem to have misplaced my bio gauge. Josie saw it in the lab on her way out. Told me to tell you. Better get it before you do anything else. Allez, filons au lab. Est-ce que je me prends une petite tomate pour la route? I fixed the lounge door to the lab. Le mode course est pas super flagrant, mais bon. Coucou. Tu veux pas? Non? Pas envie? Vraiment? C'est tellement important que ça. Oh là là. Alors, direction le lab. C'est parti, les amis. Tum, 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 tum. C'est écrit. Ah, c'est là où commence à y avoir le bordel. Vous voyez, là-bas c'est la rangée. Là, il y a déjà des boulettes de papier, des trucs qui traînent. C'est bien le lab. Je cherche d'où vient le bruit. Et je vais quand même le prendre, ça. C'est toujours pratique une barre à mine. Depuis Half-Life, c'est votre ami inséparable pour la vie, quoi. Un marteau aussi, c'est pas mal, mais ça vaut pas la barre à mine, quoi. So weird. Déjà vu. There was a stuck door in the dream I had. It's not important. It's just weird. You're forgetting the last three times something malfunctioned in this over engineered campsite. Now, where is that bio cage? Je suis coincé, les amis, je suis coincé, je suis la tristitude encore. Ça recommence. Just my luck. I need to find something that can fit in there. Declan, I found the bio gauge, but it won't turn on. I need to reset it. Find something small and thin. A pen should work. Trop tard. There, got it working. Great. You should be able to reboot the security system now. Just scan the servers with the bio gauge. D'accord.
D'accord. C'est sympa que l'inventaire soit posé sur le bracelet comme ça. Ça permet de mieux s'immerger, je pense. Quake probably knocked the panels out of alignment. This has been an ongoing issue. I'll have to adjust the solar panels manually. C'est qui va aller faire un petit tour sur Mars? C'est nous. Declan, I am buckled in and headed to the solar panel array. Well, now you've got nothing to do but listen to me. Just when my migraine was starting to clear up. I'm actually glad to have the Cyrano landing today. Some fresh faces, and supplies, distractions. Everyone's so on edge lately. I don't know, maybe I'm just imagining it. These dreams are starting to get to me. Yeah, you're not the only one having strange dreams there, Ace. You too? Oh yeah. I mean, put yourself in my shoes. You log out after your shift, eat some rehydrated meatloaf, and bunk down for the night. But the second you fall asleep, it feels like you're back at your desk and you hear the static again.
calibrate, more static, calibrate, then something sounds different, it's a pattern, you start decoding it, it's gibberish, but the static keeps talking. It wants you to hear the symbols. Bon, je suis tout triste, moi qui me disais on va conduire sur Mars, faire des jumps, peut-être des deux roues, peut-être même un petit looping. Non, même pas. Showed you mine, now lay it on me. Dreams, nightmares, fantasies, your deepest, darkest fears. Let's hear it. Sorry, I just pulled up to the office. I'll have to get back to you on all that. Suit yourself. The anticipation is killing me. Oui, je suis Captain Bordel, donc j'ouvre tout, je laisse tout traîner. Eh bien, j'aime ça, vous comprenez? Oui, toujours fermer le véhicule, c'est important. Je voudrais pas qu'il y ait des bestioles qui rentrent. Comment ça, il n'y a pas de bestioles? Qu'est-ce que vous en savez? Ok. L'élevateur n'est pas working. Someone must have borrowed a power cell. Declan, I'm heading up to the perilous rocky pathway. Power cell for the elevator is missing. Have fun. Go, hey, just got an update from Commander Wilcox. Landing site preparations are underway. Also, she told me to clean up my shit at the comms tower. You don't want to scare off the new recruits. I like Josie. But where is the battery, les gars? The solar panels are definitely desynchronized. I'll have to connect with my bio gauge to rotate. If I'm quick, there may still be enough hours of daylight to recharge the overnight batteries. One down. Il y a une marche. bah, y a pas d'énergie donc non. Bizarre. Très bizarre. Kind of glad to get out of the base, walk around. Yeah, it's nice to step outside, breathe in that non-existent Martian air.
Well, there's that. But I can move out here. I don't know, spread my wings a bit. Like a beautiful dead Martian swan. Like a dead Martian eagle, thank you. Je vais les garder parce que si je veux remonter, ça pourrait être utile, non?